Chers sujets du royaume de France chers amis chevaliers bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique bienvenue à bord du Deneb bienvenue à bord de Fierté Ventura nous quitterons Fierté Ventura ce soir à la tombée du soir vers 20h pour profiter du début du vent de nord-est qui nous conduira à Las Palmas Las Palmas où nous avons quelques bricoles à faire comme remplir la bouteille de gaz ce qui n'est pas une masse affaire je pourrais vous parler des et à du remplissage de bouteilles de gaz lorsque l'on navigue au grand large. On se retrouve rapidement à bord avec une bouteille française, une bouteille anglaise, une bouteille espagnole. Et euh, ça n'en finit plus parce que les uns refusent de remplir les bouteilles françaises, les autres anglaises, les autres espagnoles. Alors il y a quand même du bon, il y a la bouteille portugaise qui est la même que la bouteille espagnole. Bon, bref, ça n'en finit plus. Et si on veut pouvoir continuer à se cuire du riz, des aliments à bord de notre voilier, eh bien... Il va falloir éventuellement racheter une bouteille de gaz espagnol avec un détendeur espagnol. Bon, ça fait partie des charmes de la navigation à voile. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet assez amusant, un peu décalé le euh, j'ai été hier me promener dans cette fameuse rue que j'ai déjà mentionnée à Fuerteventura, une rue de 2 km de long, euh, essentiellement euh, une rue de commerce de l'inutile, de commerce de tourisme de masse, de co commerce de consommation stupide. Et euh, ma surprise est de plus en plus grande de constater que, euh, on va dire, 9... Personne sur dix se promenant dans, dans ces rues exhibe des tatouages euh, visibles, multicolores, partout. Et euh, les hommes, ce sont les bras, les femmes, les seins, intégralement tatoués jusqu'au cou, parfois les oreilles. Le tout assorti de piercings, euh, de piercings sur les oreilles pour les hommes, des agrandisseurs, des élargisseurs, je ne sais pas comment ils appellent ça, euh, des piercings dans le nez en voiture, voilà pour les femmes. Euh, voilà, moi, personnellement, c'est rédhibitoire. Une femme avec un anneau dans le nez, j'ai qu'une envie, c'est de tirer dessus et de lui faire meuh. Voilà. Euh, ce sont euh, généralement les vaches qui se font percer les naseaux. Bref, euh, je considère voilà, que euh, c'est cette mode, puisqu'il s'agit d'une mode... Euh, est une marque de décivilisation, vous me pardonnerez, et je voudrais euh, vous lire un article. Alors c'est un article euh, d'une certaine euh, Anne-Sophie Hamon. Voilà, je lui ai demandé l'autorisation de lire son article que j'ai trouvé sur un site. Alors, vous pourrez critiquer, hein, c'est le site Braise Info. <laughs> et euh, le titre, c'est le tatouage, nouveau marqueur social des beaufs <laughs> » et un article qui m'a fait sourire et avec l'esprit duquel j'abonde particulièrement. Alors pour moi, le tatouage, c'est clair, c'est soit une affaire de marin, un marin qui s'est rendu en bateau à voile, en polynésie. Euh, moi, en ce qui me concerne, je suis tatoué, mais cela reste invisible pour les gens qui ne me connaissent pas. Euh, quand je suis habillé normalement d'un t-shirt ou d'une chemise ou de ce que vous voulez, ça ne se voit pas. Et ce tatouage a été réalisé en plusieurs étapes à chaque fois que je suis arrivé en voilier aux marquises. Voilà, et la prochaine fois que j'irai, je, je, je l'agrandirai. Et c'est un marqueur social d'appartenance tribale à une catégorie de personnes qui ont entrepris des tours du monde à la voile, qui ont entrepris de traverser des océans et euh, qui parviennent dans une communauté où euh, c'est une tradition. Voilà. Et euh, à ce titre, on rentre dans un esprit traditionnel et euh, donc on, on reste quand même discret dans euh, la fabrication, l'élaboration de ces tatouages. Euh, de même, quand on... Le caporne, euh, si on le passe euh, côté droite, et eh bien on se fait tatouer l'oreille droite. Si on se le passe côté gauche, on se fait on, euh, percer l'oreille droite. Et si on le passe côté gauche, on se fait percer l'oreille gauche. Euh, ensuite, bah, qui se fait tatouer Les yakuza, c'est un marqueur social. Donc, tous les polynésiens de la Nouvelle-Zélande à Hawaï, en passant par euh, le, sud, euh, le sud des Australes, euh, ça, ça fait partie, c'est une appartenance, euh, c'est une coutume, c'est une tradition. Voilà. Et aujourd'hui, donc on assiste à, à depuis surtout 5-6 ans, il n'y avait pas ça moi, je me souviens en 2017, ce n'était pas aussi marquant, à euh, l'explosion de cette mode, hallucinante de personnes qui se font des bras complets. Jusqu'au bout des doigts, euh, qui font monter des tatouages jusqu'à euh, jusqu la pointe du menton, euh, tout juste ils préservent leur visage, euh, qui ont des trucs incroyables, tatoués dans le dos, tatoués partout, tatoués sur les oreilles, tatoués dans le cou, euh, et, et qui exhibent ça, et, et ça devient, euh, à mon avis, ça devient grotesque. Et c'est clairement pour moi un marqueur de décivilisation. Alors je vais vous lire cet article parce qu'il est assez marrant. Voilà. Alors, je répète le titre, euh, article euh, de, euh, je vous redonne son nom, Anne-Sophie Hamon. Euh, le tatouage, nouveau marqueur social, des beaux points d'interrogation. L'été, les manches courtes. Là, on l'aura bien compris, la mode depuis quelques années est au tatouage. Et le plus voyant possible, coloré. Il faut que tout le monde voit les lolos bleus et verts de Cindy, la grosse dondon du troisième, avec un dauphin au milieu et Matisse qui se balade entre deux hirondelles. Ah, faut voir le spectacle. Tiens, aujourd'hui, tous les beaufs se font tatouer les prénoms de leurs enfants sur l'avant-bras. En gothique, c'est vendu avec le gosse. On te le fait à la clinique, si tu veux, comme les footballeurs, les hommes, quant à eux, se font faire des bras intégraux. On ne voit plus trop ce que cela peut bien représenter, je ne pense pas qu'ils aient eux-mêmes pensé à chaque détail, mais il faut que cela couvre tout le bras. Plus une, conne... plus une connerie chinoise dans le cou qui ne veut rien dire, et un lavida loca à côté de l'œil. Pour les connasses, c'est encore mieux, des cerises sur la nuque, des dauphins sur le cul et des diamants entre les tétasses. Ah, faut voir le résultat, quand c'est des vieilles, la peau toute fripée qui dégueule de vert et de rouge. Les vieilles, c'est ça, ça se met de la couleur pour avoir l'air dans le cou, tu regardes bien dans la rue, tu vois une vieille avec des lunettes un peu originales, du genre vert fluo, elle aura 40 tatouages assortis, c'est vendu avec, là aussi, supplément à la carte vermeille. Car le tatouage est devenu la marque des beaufs, marqueur social. Plus il y en a, moins ça veut dire quelque chose. Il faut exprimer sa personnalité, entre guillemets, à travers ses lubies du moment. Mais vu que tout cela est choisi sur catalogue, parfois 15 minutes avant de passer sur la table, je ne vois pas ce que Monique exprime de sa profonde identité à travers sa tortue maori ou son papillon stylisé qu'elle aura trouvé sur Google. Quand, à la, quand la mode sera passée, toute cette misère intellectuelle, là je suis bien d'accord, aura l'air bien conne et c'est tant mieux. Autant comme euh, les vieux marins tatoués ou les bikers de jadis formaient une population à part et intentionnellement marginalisée par ces tatouages, autant les mémères et les garçons coiffeurs ancrés jusqu'aux gencives d'aujourd'hui ne représentent rien que le tape à l'œil, le selfie Twitter et le conformisme ambiant. Voilà, on est dans le conformisme total sans euh, aucun apport culturel. Euh, les mannequins hommes sur les magazines ont l'air de lopettes anorexique mais affichent la petite larme du tolard en dessous de l'œil droite. Imposteur, tout ça pour faire le malin sur Asta. La mode aura été au piercing aujourd'hui personne ne porte plus de petits diamants sur le nez alors euh, petit correctif euh, euh, ce sont des anneaux avec des diamants et même parfois maintenant plusieurs hein, et euh, c'est assorti au tatouage euh, donc elle n'a pas dû se balader dans les mêmes rues que moi Anne-Sophie mais bon euh, depuis 5-6 ans ce sont les tatouages le truc c'est que quand la mode aura filé sur autre chose les tatoués à gogo seront des caricatures d'une époque figée pendant des des décennies, les euh, 80, les 80, euh, je pense, les, les gens des 80 représentaient le firmament invaincu de la beaufrie et du mauvais goût entre Bernard Tapie et Indochine. Maintenant, on sait que les années 2010 et 2020 représenteront le plus navrant du pire de l'histoire. On regardera les tatoués du cou, de la bite et des mains comme des rescapés du zoo de, du début des années 2000. Entre les trans, les intersectionnels et les Black Lives Matter, le ch'ti lézard sur la cheville sera notre coupe mulée avec les cheveux bleus des Wok. Époque consternante, y a-t-il encore un homme au milieu des ruines <laughs> voilà. Alors, ça c'est certainement écrit en 2020, mais alors que dirait-elle aujourd'hui Parce que ça explose, ça explose vraiment, euh, on n'en a jamais autant vu. Et là, on est vraiment dans le tourisme de masse euh, aux Canaries, le tourisme, la consommation de masse avec des rues entières, des villages entiers qui leur sont dédiés, euh, les mêmes hôtels, les, les les mêmes, euh, les mêmes attractions partout dans toutes les îles, les mêmes magasins vendant les mêmes objets débiles. Et euh, c'est une explosion. Explosion. Je suis passé ici en 2017. Il n'y avait pas un tel spectacle. Il n'y avait pas tant de tatouages à... à, à J'allais dire, dire admirer, mais non. Euh, euh, moi personnellement, ça me met mal à l'aise. Mal à l'aise. Et on peut vraiment réellement parler de conformisme absolu, euh, d'imposture, euh, de, de civilisation de l'immédiat, du désir et de la consommation. C'est ça, c'est de la consommation. Il n'y a euh, aucun marqueur social, de, si ce n'est un marqueur de beau -fri et de déclin, d'idiocratie absolue. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et cliquez sur tous les trucs en bas. Abonnez-vous. Merci à vous les amis d'avoir écouté jusque-là.